ta Marina et le Urteiti. J'ai commencé depuis tout petit avec l'association Nonahiri et ma famille. Tous les jours, je pratique la danse tahitienne et du va'a. Ce qui m'a appris à danser, c'est que j'ai commencé déjà depuis tout petit avec l'école de danse de Nonahiri. Et j'ai participé aussi au Heiva. C'est là que j'ai regardé différents danseurs pour créer mon propre style de danse. Alors, j'ai été beaucoup surpris parce que je ne m'y attendais pas du tout. C'est vrai, j'aurais voulu gagner ce concours, mais voilà, ça me pousse plus d'y retourner en 2018 pour avoir cette première place. Alors, j'ai participé au concours du Matavai. J'étais aussi sur le podium. Et le soir du Heiva international, j'avais une course de va'a à gérer. Et quand je suis allé à Toata, je me suis concentré direct sur ma chorégraphie. Si j'ai fait le concours de la Coupe du Monde, c'est parce que je savais de quoi je suis capable. Et je me suis concentré sur ma chorégraphie. Et j'ai donné le meilleur de moi-même. Je suis vraiment motivé d'y retourner. Et j'invite tous les danseurs de Unikampuri. Ma famille me soutient beaucoup, m'encourage, sont toujours derrière moi. Et j'ai des parents qui sont musiciens. Mon père au Fakete, ma maman au Taripro. Mes frères et sœurs sont chorégraphes. Et mon objectif à moi, c'est d'être parmi les meilleurs danseurs. Je souhaite remercier ma famille, ma belle famille, pour les costumes qui costume et ma chorégraphie, ainsi que ma yata de me soutenir. Et merci à Matani pour l'organisation du Heiva International.